fait arriver un jeune châtelain, tout juste héritier du fief de la ville d'Yverdon. Arrivé de Savoie et accompagné de sa suite, il est entré dans la ville un matin du mois de mai. Une vieille dame veille sur les pots de fleurs. De sa chaise, elle suit les moindres faits et gestes des nouveaux venus et s'empresse de dénoncer quiconque voudrait déranger ce tableau de verdure. Certains disent que son imagination lui joue des tours, car le jardin est toujours vide. D'autres ajoutent qu'elle entendrait des bruits étranges, parfois même des murmures.